Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous partager un petit peu de ma préparation pour la fête de Lunasa, la fête lunaire du 1er août. On est dans le signe astrologique du Lion, c'est la première fête de la récolte, c'est la fête de l'abondance. Donc, on va célébrer ce qu'on a réussi à transformer. En plus, le 31 juillet, 1er août, 2 août, il y a vraiment cette nouveauté, cette dynamique de fin de mois. Nouveau mois. Qu'est-ce que le mois de juillet vous a apporté? Beaucoup de choses, j'en suis sûre. Mais là, c'est célébrer la récolte. C'est un focus de réussite, de réalisation de tout ce que vous avez fait. C'est un petit peu la transformation du maïs. Hop! En pop-corn, je n'ai pas le droit de manger des pop-corn, en tout cas pas trop. C'est la fête du pain qu'on peut appeler la masse, Lugnasad c'est pareil, hein. C'est la fête du blé qu'on transforme en pain, justement. Hop, j'en ai pris un que je vais mettre ici, c'est très bien. Mais qu'est-ce que vous avez transformé? J'aime beaucoup faire des parallèles avec les arcanes du tarot. C'est le roi et la reine de feu, de bâton. Parce que c'est dans les relations ou dans nos actions, c'est dynamique, c'est fort, c'est tranché, c'est on y va, on va dans le vif du sujet parce que on a toute l'énergie pour. Mais ça peut être aussi le 6 de bâton. Et là aussi, hein, vous avez vu ce beau lion, je vais le mettre ici. C'est comme si le 6 de bâton vous disait, mais bravo, ce que tu as fait, ça a payé, c'est génial. Ou alors, ça peut être le 10 de denier. Oh, je crois que c'est mon préféré pour cette fête-là, le 10 de denier. C'est ce sentiment de stabilité, de sécurité. On se sent, je crois que la stabilité et la sécurité, c'est des ingrédients dont on a le plus besoin dans notre vie matérielle. Et c'est ce que le 10 de denier, là, vient nous dire. Il y a la pomme aussi, il y a la petite souris, il y a, et puis après, il y a la nouvelle lune en lion. Oh, que de puissance dans cette nouvelle lune en lion, moi qui avais tendance à l'écarter, là, je dirais que c'est le contraire. Je l'aime de plus en plus parce que c'est généreux. C'est comme si c'était un nouvel élan, un nouveau départ des émotions avec la nouvelle lune. Forcément, on a envie de sociabilisation, comme on dit. On a besoin d'être reconnu. Alors, à utiliser de manière, je dirais, équilibrée, parce que le lion, c'est ça. Le lion vient vous dire, j'ai envie qu'on me voie, j'ai envie d'être reconnu. Mais pas à l'excès, évidemment. Hein. On a envie de briller, mais pas pour que le monde entier soit centré sur nous. Hein. C'est pas ça. On a envie que quelqu'un nous dise « je te vois ». Pas être acclamé. C'est pas tout à fait la même chose. Hein. Mais c'est toujours dans la splendeur du lion. Et puis, juste après, le 5. Donc, le 4, c'est la nouvelle lune, mais le 5... Mercure rétrograde, et là où Mercure était en Lion jusqu'à maintenant, il est sorti du Lion pour aller dans le signe astrologique de la Vierge, et à partir du 5, il va tranquillement faire sa marche rétrograde, d'abord en Vierge, et très vite revenir en Lion. Mercure, c'est l'intellect, c'est la prise de décision, c'est comment est-ce qu'on communique avec les autres, c'est comment est-ce qu'on interagit avec le monde extérieur, hein, c'est ça Mercure. Eh bien, il est dans le signe de la Vierge, donc là, pour le moment, vous pouvez avoir un focus sur le fait d'être très pointilleux, détaillé, on planifie, on s'organise. Alors, on peut être trop critique, hein, dans notre communication, mais ça fait partie du signe astrologique de la Vierge. Mais en revenant en Lion, eh ben, on fait une marche arrière qui va nous permettre d'avoir planifié les choses pour qu'on nous voie, pour qu'on nous reconnaisse, pas en excès toujours, hein, mais qu'on soit dans cette splendeur de tout simplement dire, voilà qui je suis. Voilà ce que je fais, voilà ce que j'ai décidé. Donc tout ça est séquentiel, hein, parce que là, ça va de jour en jour. Et je crois que
Je crois que le point d'apothéose, c'est le 8 août 2024, 8-8-8. En vous parlant, j'hésite en fait. J'hésite à faire une guidance où je vais utiliser soit le 8 de bâton, soit le 8 de denier. Parce que dans ces deux énergies-là, il y a de la splendeur, mais il y a à se mettre au travail d'une manière. Je cherche toujours le bon mot, c'est pas un excès qui est négatif, c'est l'envie vraiment de prendre son temps pour bien faire les choses. Je vais travailler et je vais faire un travail d'excellence. Je vais communiquer et je vais communiquer avec excellence. Le 8-8-8, vous voyez, il va porter toutes ces énergies-là. Donc déjà, célébrer hein, Lougnasad avec du popcorn, en fêtant le pain, en célébrant l'abondance avec des pièces. Mais là aussi, hein, dans l'hôtel, j'ai mis plein d'amis. J'ai mis plein de petits symboles là, qui me montre aussi à quel point je suis bien entourée et à quel point les amis, leur façon de communiquer avec moi m'est extrêmement précieuse et me fait briller. Donc, je vais utiliser le 10 de denier de l'affirmator. Je ne vous le montre pas tout de suite. Je vous donne un indice. Un indice. Je vais vous faire briller avec la boule à facettes. Passez une merveilleuse semaine. À très vite.